Mais c'est écrit quoi? Attends aussi, c'est écrit. Regarde ceci. Ça, c'est N. N, hein? Voilà N. Hein? N, ça. Maintenant, ceci. Tout ceci, tu as quoi? Elle va être en contre renversé. Elle renversé. Elle renversé. Dans le courant, et dans N renversé, c'est quoi? C'est ceci. C'est U. Le U, regardez bien sa forme. C'est la forme d'un U. Un puits. C'est un nœud. Le puits aussi a tort. C'est-à-dire, l'usager du puits aussi il a tort. Donc, le deuxième point, et celui qui utilise la tête, il a tort. Celui qui utilise le puits aussi, il a tort. Ils ont tort parce que celui qui utilise le puits, il a tort parce que quoi? En fait, c'est le, quand le terrain coupe le courant électrique, il coupe le courant. Automatiquement, l'eau aussi est coupée. L'eau aussi est coupée automatiquement. Parce que, en fait, quand le terrain est en train de menacer, en train de menacer la société de l'énergie électrique, il coupe le courant. Coupe le courant et automatiquement la société de l'eau aussi coupe aussi l'eau parce que quand le courant n'a pas d'énergie électrique, en fait c'est l'énergie électrique qui fait tourner les turbines de la société d'eau. Dans les châteaux là, c'est l'énergie électrique, le courant électrique. Donc quand le courant est c'est pourquoi il n'est pas rare quand le courant est coupé, l'eau aussi est coupée en même temps. C'est ça. Donc, en fait, le courant et le tonnerre, et le coupe à la fois et le courant électrique et aussi l'eau. C'est pourquoi les points, à tort, c'est l'usager de la antenne, à tort aussi l'usager de puits. Parce que eux deux, ils sont tous débiteurs de lui. Ils sont débiteurs du tonnerre. Ils sont débiteurs du tonnerre parce que quoi? Ils n'ont pas payé leur facture. Il n'a pas payé la facture. C'est pourquoi le tonnerre bien coupé. C'est pourquoi le tonnerre vient couper le bois. Et du coup, coupe aussi l'eau. Bon, c'est pour dire quoi? Payez vos factures. Quand le tonnerre fait ça, quand le tonnerre coupe le bois, c'est pour dire quoi? Payez vos factures. L'enjeu de ne pas payer, en fait, c'est l'enjeu de ne pas payer pour partir. Très dangereux.